First of all, I've been getting lots of threats of black magic. My manhood being not working within 48 hours. I'm going to fall sick for 7 hours. That stuff doesn't work on me. So if you want to threat... De me parler, sachez que vos histoires là ne marchent pas sur moi. Dit le docteur Justin Den, qui est l'ex-mari de l'artiste nigériane Cora Obidi. Maman, à l'heure si là, non, le championnat est serré, comme on dit souvent là. Avant de continuer, j'aimerais vous saluer. J'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur Jeuse News TV. Une fois de plus, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner sur Jeuse News TV. Oui, pour mes amours de Facebook, je vous dis grandement merci pour tout. N'oubliez pas de nous rejoindre sur YouTube sous le nom de Jeuse News TV. N'oubliez pas de liker cette page au nom de Miss Congossa International et de le suivre aussi. Aujourd'hui, nous revenons avec un update concernant la famille d'une maman. C'est déjà arrivé au niveau où, non, maman, on commence déjà à dire que c'est Dr. Justin Den, est sage, qui va demander pardon à Cora. Bon, nous allons juste lire ce que Justin a mis sur les réseaux sociaux en disant que ça ne marche pas sur lui. Il a mis ce post en disant que il pense que moi, je n'écoute pas l'opidine. Bon, l'opidine là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme le broken, comme on appelle souvent. Donc, les gens comme les nous, là, nos gens de français qu'on parle ici, là, c'est pas, je peux dire, c'est pas le français des françaises. Josie, mets ça bien. Oui, parce que vous connaissez, quand je parle français ici, certaines personnes disent, ah, je ne connais pas parler. Bon, c'est un peu comme le broken, non? Celle qui ne connaît pas bien parler le bon français, là. On appelle ça broken en anglais. Bon, c'est pas qu'ils ne connaissent pas parler, mais c'est juste un autre langage, mais c'est toujours l'anglais. Est-ce que vous me comprenez? Bon, c'est comme le pidgin, quoi. Voilà, alors il dit, cette personne croit que moi, je ne comprends pas le broken. Il rit. Après, il met ce que la personne a écrit. La personne dit, est-ce que tu es valable pour qu'on puisse causer? Docteur Justin Den n'a pas répondu. Et la personne continue, c'est mieux pour toi d'aller demander les excuses à cette femme au nom de Cora Obidi. Sinon, tu dois voir l'autre côté de moi concernant ce cas. Et la personne continue en disant, ou bien tu ne vois pas tout ce que je suis en train de t'écrire, tu ne me connais même pas, tu ne connais pas qui je suis. Et la même personne continue encore à écrire, si tu ne te comportes pas bien, monsieur, je te donne 7 jours de maladie. Je t'ai déjà prévenu. Hey! Maman, oh! Et alors, la personne encore vient continuer. Ou c'est une autre personne? Oui. L'autre se dit, hola! Donc, c'est que mon grand frère t'a dit là. Tu doutes? Il t'a dit, je pense, je te donne juste 48 heures de faire la paix avec Cora. Maman, oh, ou tu dois, on doit te donner le woto woto. Hein? Ton plantain ne doit plus fonctionner. Tu ne sais pas à qui tu parles. Moi, je suis un pam pam. Vous connaissez les gens là, non? C'est avec moi que tu es en train de rire ou bien tu es en train de jouer. Je te donne 48 heures. La famille, c'est déjà arrivé à ce niveau, maman. Réveillez-nous du sommeil, là. Hey! Ou toto. Il y a certaines personnes qui ont dit sur les réseaux sociaux que la manière qu'on est en train de voir leur histoire, là, c'est en train de prendre une nouvelle direction, la famille. Mais... disons-nous les vérités vivantes. Il est bien vrai que oui, on sait que les gens aiment Cora et les gens aimaient les familles, pardon. Mais si le monsieur sort vous dit qu'il ne veut pas,
Est-ce que c'est déjà arrivé au niveau où vous allez dire, oh, si n'est pas demandé des excuses, est-ce que Cora vous a même d'abord dit qu'elle le veut aussi encore? Donc, en parlant, il faut d'abord demander à Cora si elle-même aussi, elle le veut. Parce que on peut même être en train de prier pour eux, de dire, oh, il faut qu'ils reviennent ensemble, que notre tata préférée a déjà commencé sa nouvelle vie, a déjà oublié le passé. Donc, elle est déjà en train de voir le futur, quoi, avec un autre ou bien seule avec ses enfants. Donc, en parlant, il faut qu'on réfléchisse un peu, qu'on voie aussi de cette direction. Okay? Et alors, mettons alors, comme ceci alors, si Justin était votre frère, ok, est-ce que vous deviez sortir sur les réseaux, écrire les choses comme cela? Bon, c'est pas que peut-être je suis en train d'accepter que ce que Justin a fait auparavant, et ceci, cela, mais c'est entre Justin et Cora. Si Cora sort aujourd'hui nous dit, ah, elle va encore retourner chez Justin, on doit juste lui souhaiter bonne chance. Ainsi que Justin. Bon, ce n'est pas arrivé au niveau où vous allez, même Cora là où elle est là, elle, je suis sûre qu'elle ne souhaite pas voir les genres de messages si concernant le père de ses enfants. Quand on doit faire ceci, oh, 7 jours de ceci, oh, ton plantain ne doit plus marcher, oh, c'est là, oh, tu dois aller. Et s'il va alors demander des excuses à Cora, et Cora dit, voilà, voilà, moi, je ne veux plus. On doit faire comment? Donc, la famille, c'était juste un update pour vous dire, voilà ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et Justin, il a fait un live par rapport à ça, en disant au monde entier que, voilà, même ce que vous êtes en train de dire, que 7 jours est monté, oh, le plantain ne doit plus marcher, que lui, il travaille avec les grands frères de ça. Et que d'ailleurs, les choses comme cela, il ne croit pas en ça, parce qu'il sait que c'est le père qui mange l'enfant, qui ne sait pas que le père peut sortir et manger quelqu'un de dehors, que lui, il ne croit pas en ça, que ça ne peut pas lui toucher, c'est ce qu'il a dit, que voilà, c'est que vous dites à gauche et à droite, que quoi, quoi, là, où il a prononcé ça, que comment, que ça ne peut pas, que aller chercher autre chose là. Et alors, ça nous amène à la fin de cette vidéo, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, la famille. Il y a quelque chose que je voulais aussi vous dire. Pour ceux qui aiment toujours écouter la version en anglais, j'ai constaté que Facebook est un genre, je vous assure. Donc, les vidéos comme celle-là, je vais souvent laisser sur ma page YouTube, ok? Pour ceux qui veulent souvent, vous savez, il y a des gens qui veulent toujours les preuves et tout et tout. Pour ceux qui aiment écouter de la bouche de Justin ou quoi que ce soit, je vais juste laisser la vidéo sur YouTube, sur Josie News TV. Donc, vous pouvez continuer là-bas. Mais pour ceux qui aiment la traduction, vous pouvez rester avec ce que je vous sers sur Facebook. Je vous aime comme toujours. N'oubliez pas de partager et bisous à tous. There we are. Hey everyone. I'll just wait a second here for this thing to load up. And we're going to talk about some juju magic. We're going to talk about what black magic. And we're going to talk about a positive message that actually has been on my mind the last 48 hours as I've had time to sit by myself and reflect. So, first of all, I've been getting lots of threats of black magic. My manhood being not working within 48 hours. I'm gonna fall sick for 7 hours. That stuff doesn't work on me. So if you want to threaten me with black magic, I have been getting these threats over the years many times, and nothing they've ever threatened has come true. So bring it on. It's Friday night. I'm bored. I miss my girls. I'm by myself. So I just thought I would share a little story that I'm really thinking about a lot the last 48 hours. Mainly because I've been by myself a lot, missing my girls and just reflecting. And that's me thinking about little Athena, my beautiful newborn daughter. I personally, after black magic's not real. Sorry. You won't ever convince me otherwise. I work with some of the best magicians in the world. And I can tell you that it's not real. Cool.
Anyways, so one of the things I think every father should experience, and maybe even become a part of the birthing process, we'd have less fathers.